c'était... Ouais, oui, non, non, on peut. On peut. Alors, on les a vus danser dans le clip. Habituellement, ils font ça comme ça, partout, sur scène. On leur demande, ils se lèvent, ils dansent, ils chantent. Vous avez chanté durant la diffusion du clip. Restez pas silencieux, les gars. Vous avez chanté. Si, si, on a beaucoup chanté pendant la diffusion du clip. Bon, voilà. C'est bien, ça veut dire que vous êtes content. Un petit peu dégourdi les jambes. Non, c'est-à-dire que vous êtes content de ce qui se passe autour de vous, de ce titre-là. Alors, expliquez-nous, parlez-nous de votre afro-pop. C'est votre style musical. Qui commence? Manolo. Manolo? Alors, Stone. Stone. Alors, attends, Stone Warley. L'afro-pop, en fait, on a commencé tout d'abord par la danse. Et on venait chacun de milieux différents. C'est-à-dire? Ça veut dire que Keva, il faisait plutôt du hip-hop. Charnel était plutôt dans la danse ivoirienne. Manolo, c'était plutôt dans le new style, l'afro new style. Et moi, c'était plutôt dans le dombolo. Et on a rassemblé tout ça et on a appelé ça l'afro-pop, en fait. Bon, vous êtes tous de pays, enfin de français, mais d'origine différente? À peu près. Le coupé-décalé, c'est l'ivoirien, le dombolo, c'est le congolais. Non, pas spécialement. Non? Ah voilà, d'accord. Congo, hip-hop, new style, ouais. Que j'étais vraiment dans un univers différent. Charnel. Moi, je suis plutôt Congo-Braza. Ouais. Et voilà. Moi, je suis sénégalais. Et ça va faire plaisir à Warra. Ça va faire plaisir à Warra, ça, tout à l'heure. Ouais, donc voilà, je suis sénégalais, contrairement à beaucoup de... Beaucoup de quoi? De personnes pensent que je suis plutôt ivoirien ou zaïrois. Ou, ouais. Zaïrois, voilà. Les zaïrois, c'est fini, c'est congolais maintenant. C'est congolais, c'est vrai. C'est vrai que les zaïrois n'existent plus, mais bon, je les écoute en tant que zaïrois, pour moi, ils resteront comme ça. D'accord. Ah bah vas-y, on doit ça. T'es zaïrois, tu resteras zaïrois. Bon, après, je dirais que c'est des noms, mais les cultures n'ont pas changé. Ouais. Et sa façon d'être n'a pas changé aussi. Ouais. Donc voilà. Comment est né Anges d'Afrik? On est des amis d'enfance, tout simplement. On s'est connus, on se connaissait avant de danser. Et après, au fur et à mesure qu'on allait dans des après-midi, dans des soirées, ben, y avait dans certains quartiers des personnes plus cotées que d'autres, dont Stone Warley et Charnel Playboy. Ouais. Grand Ivo. Non, ce sont eux les Playboys du groupe, je sais. Donc, voilà. Je les vois faire dans les soirées, ça fait quelques années que je vous vois dans les soirées, les gars. Et je vois qui drague et qui fait quoi. Qui regarde les filles de côté. On te voit aussi, Claudia, attention. Moi, je suis là pour compter les points. Pour dire, tu as gagné, tu as perdu. On te voit aussi, Claudie. Arrête ça. Non, bon, on va pas parler, voilà. Mais sinon, on va dire qu'on est des amis d'enfance. Ouais. Et c'est la danse qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là. On a évolué en faisant des... Ça a commencé des choses toutes simples, par des baptêmes. Ouais. Après, dans un baptême, on te voit, tu dis « Ouais, viens danser dans mon clip ». Tu danses dans un clip, viens danser dans telle scène, etc. Et un jour, on s'est dit, au lieu de danser pour les gens, pourquoi pas danser pour nous-mêmes? Vous avez profité de toutes les occasions. Oui. On danse pour nous-mêmes, sur nos propres instrus. Pas sur les instrus d'autres artistes. Sur nos propres instrus, on crée nos instrus, on crée tout ce qu'on fait, c'est nos propres créations. On respecte beaucoup ce que font les artistes, dont beaucoup nous ont inspirés jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, mais on respecte beaucoup pour ne pas les plagier ou essayer de les copier. On essaye de faire vraiment... Notre univers, notre délire. Voilà, que quand on écoute, on dit « Ah, ça, c'est du Anges d'Afrik. C'est pas d'un tel ou d'un tel. » D'accord. C'est pas facile à faire, mais vous tentez en tout cas de le faire. Vous avez vraiment fait feu de tout bois, c'est-à-dire que vous avez, à chaque fois que vous aviez l'occasion de vous produire, dans une soirée, vous l'avez fait en vous disant « De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on se fasse connaître. » C'est comme ça que fonctionne Anges d'Afrik, ou a fonctionné en tout cas Anges d'Afrik? En fait, c'est plus un plaisir déjà, le plaisir de chanter. Ah mais d'accord, mais c'est aussi pour se faire connaître. Les gars, je vous ai vu dans toutes les soirées. Mais moi, ça me fait notre première scène, ça a été à l'Élysée Montmartre. Ouais. Et voilà, on a eu un bon nombre de vues sur YouTube. Donc, on avait un petit buzz à peu près parisien, on va dire. Ouais. Et ensuite, voilà. C'est parti. Voilà, c'est parti. On a décidé de tout faire. Qu'est-ce qui vous unit à la Célé Sao de Jesse Matador et à Magic System? Il y a une connexion entre... Là, et vous? On a eu l'occasion de bosser avec lui sur son premier album. On a fait un featuring. Ouais. Et puis, on se connaissait parce que nos groupes étaient concurrents à l'époque. Mais voilà, quoi, c'est la famille. Quoi. Et là, vous êtes en train d'essayer de les rattraper, c'est ça? Les rattraper, non. Mais on essaie de faire notre chemin. Quoi. Bon. Je vous présente Warra, qui arrive. Warra du Sénégal. Avec... Ouais, l'entrée. Toujours avec des robes sublimes. C'est Warra, quoi. Je ne sais pas où cette fille va chercher ses robes. Mais voilà. Warra. défilé de mode dans ses plus chauds au sud. Et là. C'est les Warra. C'est Warra. Yeah. Yes. Oh, bravo. Yes. Merci beaucoup. C'est notre fée à nous, quoi. Toujours superbement habillée. Voilà. À qui doit-on ces tenues? Bah écoute, j'ai envie de commencer par dire tout simplement qu'il y a 3 raisons oui. à cette exception. Ouais. En fait, tout d'abord parce que j'ai un styliste exceptionnel. Ouais. Avec Sadio Bi, je m'éclate. Il est vraiment super créatif et à chaque fois, c'est un orgasme de... Ouais. Ensuite, on a une émission exceptionnelle et ouais. Voilà, je le dis et je le répète toutes les semaines, je suis super contente de venir et c'est un orgasme de plaisir. Et ensuite, vraiment, on a des invités superbes qui viennent chaque semaine et ça nous fait vraiment plaisir de les recevoir. Bon, alors, et oui. j'ai oublié une chose très importante, oui. j'ai un boss exceptionnel. Je l'adore. Alors, cette semaine, Warra. Cette semaine, en fait, j'ai décidé tout simplement de faire des jeux de rôle. Ouais, je vais être gentille, oui. parce qu'on m'a dit que j'étais un petit peu trop dure les autres fois. La semaine dernière, c'était chaud avec ces bah, je me suis fait gazer sur mes cheveux, qui sont à moi parce que je les ai achetés. Donc, on va rester dessus. Donc, je vais vous demander à tous, en fait, si vous étiez dans la peau des uns des autres. Donc, les premiers que j'ai choisis, bah, ce sera toi, Jowee. Si tu étais dans la peau de Françoise Vergès, wow. c'est la dame, charmante dame qui est à côté de toi, ah ouais. aurais-tu préféré que la personne qui te nomme à la direction de la Maison de la Civilisation et de l'Unité réunionnaise ne soit pas ton père, ou tu sais pertinemment, ou de toute manière, tu t'en fous car tu sais pertinemment ce que tu vaux et que tu mérites ta place? Waouh, mais tu as bien dit ça. Oui. Non, mais c'est pas drôle, c'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle. Mais la réponse sur ce coup-là. Tu m'as fait la question et la réponse. Mais la réponse. Pas ça, c'est qu'à la base, il est censé me dire ah bah non, moi je sais que je mérite ma place. Ah, bah non, exactement, mais c'est la réponse. Oui, merci. Non, tu l'avais donné, tu l'avais donné. D'accord. Avis aux amateurs, vous me refaites pas ça. Bon, on continue. Non, la réponse c'est que oui. Ouais, c'était très bien. Comme tu as si bien dit, définitivement, oui. Tu préfères que je te donne mérite ma place, quoi. Une trompette ou... Un saxo. Un saxo? Si tu pourras plus exprimer le truc, quoi. Si tu peux, ouais, c'est plus sensuel. Warra. Un saxo, s'il vous plaît. Alors, Françoise, si tu étais dans la peau de Claudia, aurais-tu décidé de choisir comme thème principal du sketch qui te ferait nationalement connaître une partie particulièrement taboue, mais ô combien même appréciée du corps de la femme africaine, ou alors ils font un début à tout et les gens auraient bien fini par savoir que tu as du talent? J'ai pas tout compris. Moi non plus. Bon, je laisse tomber. Non. Mais Françoise, oui. En gros, c'est... Bon, je la fais puisqu'on est en mode wesh. Est-ce que tu aurais les couilles de faire le premier sketch de Claudia ou... Si j'étais dans sa peau, oui. D'accord. Tu t'es fait avoir pour la deuxième fois. Non, oh là là. Allez, on passe à qui? Bon, on passe maintenant, j'en suis à qui? Claudia. Oui. Mais Claudia va me faire un truc à récupérer retourner là. Claudia va faire rien du tout, on va écouter la question, on va essayer de répondre. Merci beaucoup. Voilà. T'as vu, je ressemble à une princesse comme ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est super. Bon. C'est très très belle. Arrête! Ah non, franchement, ça donne un orgasme. Tu vas m'embrasser devant les caméras? Non, pas du tout. Oh, c'est pas possible. D'accord. Cool. Alors, Claudia, si tu étais dans la peau des Anges d'Afrique. Yes. J'enlèverai mes lunettes déjà. Parce que c'est inadmissible de parler à des garçons sans voir leurs yeux. Ça veut dire quand même que c'est là. On y va là! On enchaîne, on y va. Là, c'est fait. Ou alors, il faut dormir, les gars. Hein, parce que là, ça va pas. Là, on y va. On enchaîne. Yes. J'adore. Okay. Alors, si tu étais dans la peau des Anges d'Afrique, tu n'aurais pas préféré te dire la vérité et accepter que le nom en fait, du groupe ne soit pas les Anges d'Afrique, mais plutôt les petites démos? Je parle surtout des déhanchés coquins. Ouais. Les petits chochos, quoi, cacahuètes. Oui. Je me suis rappelé le cookies à croquer. J'aurais vu ça comme ça, moi. Faut que je prenne des cours, faut que je prenne des cours. Mais non, mais ils sont là, les gars, ils sont prêts à donner des cours. Là, je crois qu'il n'y a même pas besoin que tu dises, ah, ils sont prêts, regardez. Vos gosses transpirent déjà, ils sont déjà chauds. Ouais, regarde, alors... Regarde. Non, mais en fait, là, c'est question simple en wesh-wesh, parce que j'ai remarqué qu'il fallait que je fasse la traduction. Oui, traduction wesh-wesh. C'est ouais, bon, vous pétez pas un peu plus haut que pour vous appeler les anges? Non, non, mais attends, mais c'est pas... Non, c'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est à moi. Non, mais oui, mais là... C'est à moi qu'il faut poser la question. C'est pas ça, c'est-à-dire que si vous étiez dans la peau de... Mais eux, je leur dis la vérité comme ça en face. Mais non. Mais non, quelle vérité? Il n'y a pas de vérité, là. Tu as souffert la semaine dernière avec section d'assaut. Si tu veux souffrir avec les gens, de la gentille comme ça. Ils sont 4, hein. Ils sont les joueurs, ça va faire 5. Non, mais toi, t'es ma copine. Non. Pas quand tu tailles les gens. Les gars, ils pètent pas plus haut que le wesh-wesh. Ils ont dit des anges. Il faut le prendre dans un bon contexte. C'est des anges. Ils sont là, ils adoucissent ta nuit. Tu vois, c'est des anges, quoi. Voilà. C'est ça, non, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça. Quand vous me donnerez chaque, vous m'avez promis. Merci beaucoup. Les anges d'Afrique. C'est à vous, bonne chance. C'est parti. Si vous étiez dans la peau de Jowee Omicil, monsieur ici présent, vous préféreriez pas être né dans les années 70 afin d'avoir un public qui comprenne vraiment la profondeur et l'orgasme de votre musique? Je pense pas, parce qu'on dit toujours la musique à l'ancienne, c'est la meilleure. La musique, comment? À l'ancienne. La musique à l'ancienne, c'est la meilleure. Wesh wesh. Ouais, il est wesh wesh. T'as vu, à l'ancienne. À l'ancienne. Moi, je l'aime bien, lui. Je te choisis, toi, tu le mets dans mes paniers. Viens là. Bravo pour moi. Merci. Et j'ai une dernière question pour tout le monde, bien sûr. J'aurais aimé savoir si, au final, vous étiez dans la peau de tout le monde, là, vous auriez pas préféré n'être français, mais vrai français. C'est-à-dire, c'est quoi un vrai français? Ouh, attention. C'est quoi un vrai français? Attention, elle est en train de se ventiler, elle arrête ses nets. C'est quoi un vrai français? C'est le geste a été coupé net. Attention. J'ai posé la question, il suffit de me répondre. Ah bon? Ok, d'accord. Donc on disait... Non, j'ai posé la question. J'aimerais juste que vous me répondiez, s'il vous plaît. Non, mais il faut définir la vraie française. J'ai pas besoin de définir. Oui, non, d'accord. Provocation, provocation. Ah oui, provocation, d'accord. Donc, ben, moi, je dirais tout simplement non. Je ne regrette pas d'être né comme je suis et d'avoir les journées que je suis. Mais dis que tu es français? Oui, c'est ça que j'attendais. Mais dis que tu es français? Oui, je suis français. On va dire en vrai français. Ah, j'ai ma carte d'identité. Exactement. Voilà, j'ai la nationalité française. Voilà, c'est exactement la réponse que j'attendais. Ah, d'accord. Mais il fallait le dire en langage wesh-wesh pour qu'ils comprennent. Ah ouais, excusez-moi. En fait... Ça t'est pas bien ou pas? Mais je taquine. En fait, mais traduis pas, non, je te taquine. On applaudit Warra, s'il vous plaît. La semaine prochaine, il n'y aura rien qui risque de nous dérouter, puisque la semaine prochaine, ce sera le best-of. Mais tout de suite, le blind test avec DJ FaceMaker. On est prêt, DJ FaceMaker. Alors, j'ai une question. Si tu étais dans ma peau, qu'est-ce que tu ferais en ce moment? Comme quoi, le thème du blind test. Je ferais un spécial.